Bon, ben voilà, on y est, frérot. Let's go! Avant tout, les frangins, bonsoir à tout le monde. Avant tout, franchement, grosse, grosse dédicace aux Marocains. La vérité, les gars. J'aimerais passer un message solennel comme ça à tous les Marocains, Marocaines. Bravo! Disons que vous avez clairement gagné votre Coupe du Monde. Voilà. Franchement, quelle équipe costaud, quelle envie, quel courage, quelle volonté. C'est quand même incroyable. Hein. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Grosse force à eux. Voilà, les gars, vous inquiétez pas, vous avez fait une belle compétition. Vous êtes révélés aux yeux du monde entier. Donc voilà, la parenthèse, elle est faite. Force aux Marocains, franchement, bravo. Les gars, on y est. Comment? Quel match! Oh, les gars, juste une chose. Je suis content, je suis tarpin content. Déçu, forcément, pour les Marocains. Mais oh, les oh, ils en ratent beaucoup, quand même. Moi, j'aimerais, franchement, dédier cette victoire à la défense. Wesh, ils nous ont malmenés, les Marocains, les frères. Ah ouais, la défense vraiment impériale. Hein. La vérité, hein, je ne veux plus revoir Upamecano. Hein. Pour moi, je vous l'ai dit dès le début de la compétition, Saliba, Konaté, pour moi, c'est un rock. Voilà. Konaté, ça me fait plaisir qu'il ait fait un gros match. Voilà. Il a montré c'est qui le patron. Lui et Varane. Joli match aussi de deuxième mi-temps de Koundé. Deuxième mi-temps, que j'ai l'impression il a été un peu plus réaxé. J'ai l'impression qu'en deuxième mi-temps, le discours du coach, ça a été on défend, on part en contre. On a vu qu'on a pris la foudre. On a pris une foudre incroyable. Deschamps a fait un remaniement. Il a fait sortir je ne sais plus qui. Mais on est repassé avec un milieu un peu plus haut. Ce qui nous a permis de ressortir, mais les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, j'ai dit on va en prendre deux. C'est pas possible. On se fait grailler. L'équipe de France, dès qu'elle recule, se fait complètement bouffer. Voilà. Je sais pas ce que c'est. J'ai un peu de mal aussi. Non, les gars, c'est vrai, je suis tarpin content. Je suis tarpin, tarpin content. Mais à un moment donné, je comprends pas. Guendouzi, il peut pas rentrer. Hein? On a senti quand même un Fofana un peu éclaté en fin de match. On a senti un Fofana. Et la vérité, les frangins, je vais revenir sur le milieu de terrain. Dembélé, frérot. Alors déjà, de temps, tu faisais pas le repli défensif. J'aurais été coach, je rentre sur le terrain, je te mets deux taquets dans la bouche. Hein? Tu es là, tu regardes. De temps en temps, sur tout le match, tu en as fait deux. Et en plus, qui plus est, offensivement, je sais pas, il est passé où le Dembélé, dribbleur, casseur de reins? Tu casses pas des reins, frérot? Je sais pas. On t'a pas vu. Inexistant. Personnellement, moi, je l'aurais sorti à la mi-temps, voire à la 50e, pas plus. Le temps que Colomoigny s'échauffe. Enfin, bravo à Colomoigny. Au Colomoigny, tu marques contre l'OM. Espèce d'enculé. Ça va, je te pardonne. Ben, j'ai mis, frère. Tu marques contre l'OM. Non, frère. Et je l'ai dit, je l'ai dit. J'étais en chat avec les potos. J'ai dit. Mais on me dit, oh, mais Cad, tu compares, tu es content que Colomoigny, il rentre à la place de Dembélé. Mais je fais Dembélé, il fait rien, frère. C'est pas grave, mais même si Colomoigny rentre, c'est pas grave, Dembouz, il fait rien. Ouais, je suis peut-être un peu méchant, je suis peut-être un peu méchant. Dis-moi là en commentaire, je suis méchant avec Dembélé ou pas? Je l'ai trouvé pas top ce match. Hein. Les gars, je l'ai trouvé pas top. Hein. Après, c'est vrai, hein, quand tu as Mazraoui et Hakimi d'un côté. Ça ferme bien, on va dire. Hein. C'est assez costaud. Mais je l'ai trouvé pas fameux, moi. Je sais pas. Je sais pas. Je suis pas convaincu par Dembélé. Pourtant, je l'aime bien, ce mec. Hein. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus d'adversité, il s'éteint, tu vois. Quand il a un bon latéral, il s'éteint un peu, tu vois. Ouais, voilà. Colomoigny nous a régalé. Enfin, il nous a régalé avec un but, hein, pas plus. Un but, tu nous régales, frère. Il en faut pas plus, nous, frère. C'est la gorge. Un but, tu nous as régalé. Voilà, j'ai dit, je préfère faire rentrer un mec
Je sais pas, peut-être qu'il va rien faire, mais Dembélé, il fait R. Voilà. Hernandez, petite. Chita, comme ça, tu retournes la tête, tu retournes le corps. Bravo, Hernandez. Oh, et les gars, ça va paraître un peu méchant ce que je vais dire, mais c'est un mal pour un bien que le frère, il s'est blessé. C'est triste, hein? Mais je ne suis pas persuadé que offensivement on aurait été aussi bon avec le frère. Le frère, vous savez, il est un peu la charrette. C'est plus un défenseur central qui peut jouer sur le côté gauche. Voilà, et Hernandez, franchement, tu es un monstre, frérot. Frérot, tu es un monstre, papa Hernandez. Vraiment, tu es une machine. Les gars, ce mec est incroyable. Défensivement et offensivement, il est incroyable parce qu'on n'en parle pas assez de Hernandez, les gars. On n'en parle pas assez. Hein. Son côté où il percute, il gêne, il aspire, il est incroyable. Ce soir, il est récompensé par un but. Grand, grand bravo à toi. Et voilà quoi. Koundé, bon, mauvaise première mi-temps. La deuxième, tu as été impérial sur ta ligne. Loris, les gars, c'est un monstre. C'est un monstre. Des fois, il faut savoir faire son mea culpa. Je disais, ouais, pour moi, Maignan peut être très fort. Mais les gars, Loris, monstrueux. Monstrueux. Voilà. Le frangin, Tchouaméni, pareil. Je trouve un peu. Tchouaméni, en fait, les gars, c'est assez dommage sur Tchouaméni. Ce que j'aime pas, c'est Tchouaméni. Attention, il a fait un beau match. Hein. Grand bravo à lui. Hein. Ce que j'aime pas. C'est, il lève pas la tête assez vite, tu vois. C'est vraiment le numéro 6 à l'ancienne. On ne parle pas d'un box-to-box comme on les voit maintenant. Ces milieux modernes, tu vois, un peu à la Bellingham. C'est un peu dommage. Mais après, il est jeune, hein, les frères. Il est jeune, je crois. 21, 22, 23, un truc comme ça. Je pense qu'il aura le temps de s'améliorer. Non, franchement, bravo à tout le monde. Ça me régale. Mbappé, les gars, même s'il ne marque pas ce soir, premier but, c'est lui qui fait un travail avec une frappe. Ce n'est même pas un travail, c'est une frappe contrée, but de Hernandez. Deuxième but, vous l'avez vu? Double croquetta, ch-tac-tac, ch-tac-tac, tac-tac. Voilà, et il tire. C'est un travail d'Mbappé derrière Colomouani, il suit. Voilà, je ne suis pas persuadé que Dembouz aurait été là. Non, franchement, bravo. On est en finale. Alors les gars, j'ai regardé, il y a deux personnes qui vont peut-être gagner les deux cartes à 20 euros. Il y en a deux qui ont dit France-Argentine, victoire de la France. Voilà. Bon, j'aimerais bien que vous gagniez. Il va falloir que je débourse deux cartes à 20 euros. Hein. C'est pas grave les gars, ça me fait plaisir. Voilà, je sais plus, il y a Tom ou Ludivine. Deux personnes que si la France elle gagne, je leur donnerai les deux cartes PSN. D'ailleurs, si vous voyez ce débrief. Ludivine, je sais plus quoi, Paro ou un truc comme ça, et Tom, un gadjo qui s'appelle Tom et Ludivine, envoyez-moi un message sur Snap. Voilà, mon Snap, c'est 4 de mars, je crois qu'il est dans la description. Comme ça, au moins, je vous fais péter les deux cartes. Attends, si la France, elle gagne, reste tranquille, frère! Bon, les gars, n'oubliez pas le petit like. Je vous fais un gros bisou. Rendez-vous tout à l'heure pour un petit live. Je sais pas, on va parler un peu, peut-être, je sais pas. Peut-être jouer, peut-être, on verra. Prenez soin de vous, les gars. Merci à tous qui posent le petit like sur chaque débrief. Vous me régalez. Je vous embrasse, les gars. Bonne soirée pour ceux que je vois pas dans le live. Sinon, ramène ta tête sur le live ou je t'encule. Tiens.